L'orgue, c'est un instrument qui m'a fasciné dès mon plus jeune âge, en fait. Bien avant de commencer à jouer de l'orgue à 14 ans, j'ai découvert cet instrument, donc dès l'âge de 3 ou 4 ans, à l'occasion d'une visite que j'ai faite avec mes parents dans la cathédrale de Nantes, ma ville d'origine, où j'avais été à la fois impressionné par l'aspect visuel de ce grand meuble de bois et de métaux qui surplombe la porte d'entrée, et puis l'aspect bien sûr sonore de cet instrument qui, en quelque sorte, se rapproche un petit peu de l'orchestre, parce que ce qui est fascinant avec un orgue, c'est qu'on peut à la fois, par exemple, avoir des sonorités très puissantes, très fortes, presque fracassantes, à en faire trembler les murs ou les vitraux des églises, et puis aussi on peut avoir des sonorités au contraire très douces, très suaves, et on peut avoir un panel de couleurs qui peuvent se rapprocher de différents instruments de l'orchestre, comme par exemple la flûte, la clarinette, le hautbois, les jeux d'anches, qui sont en fait un petit peu comme les cuivres de l'orchestre. On peut avoir vraiment un ensemble de sonorités vraiment font rapprocher l'orgue de l'orchestre. Et cette matière sonore s'approprie très bien et elle est source d'inspiration justement pour la pratique de l'improvisation et ici en particulier de l'accompagnement de films muets. L'improvisation chez les organistes est une sorte de tradition qui a perduré depuis un certain nombre de siècles, on peut le dire. Et c'est une tradition très ancrée en France. Et le but aujourd'hui de l'improvisation, c'est, alors dans le cadre des offices religieux, de meubler des temps de silence, par exemple, qui peuvent varier en fonction de la circonstance. Et puis, dans le cadre du concert, par exemple, c'est une tradition, ou même un jeu qui consiste à donner par exemple l'illusion que ce que l'on va faire est une pièce écrite. Et bien que ceci reste éphémère ou illusion, c'est comme une sorte, si vous voulez, de tour de magie. Après, dans le contexte de l'accompagnement de films muets, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, on n'y est évidemment pas seul, on n'est pas totalement libre de faire ce que l'on veut, on doit suivre un minimum l'action qui se déroule à l'écran. Et la difficulté est aussi de ne pas dépasser l'image, c'est-à-dire que on doit rester une sorte de soutien, on doit simplement commenter l'action.